Écoute, Église. Tous mes petits frères qui étaient derrière moi. Au moment où j'étais dans la sorcellerie, il n'y avait pas de mariage. Pourquoi? Parce que, et mes amis, moi, on était en train de les transformer pendant la nuit, ils devenaient nos femmes. Hein? Mes amis, mes grands frères ont beaucoup étudié. Mais il y avait la sécheresse dans leur vie. Pourquoi? Dans la sorcellerie, avec ma tante là-bas qui était ma femme, on avait construit des maisonnettes où on avait mis le dossier de tout un chacun. Écoutez-moi bien, je vais dire que je suis en train de vous donner les secrets de la sorcellerie. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont en train de comploter. S'ils pouvaient trouver ce travail, c'est tout le monde dans la famille qui devait être bien. Il avait fait l'économie. Il était intelligent. Il avait fait tous les tests et il avait réussi. Alors, ma femme qui était ma tante m'a appelé dans le monde de la sorcellerie en me disant, qu'est-ce que nous devons faire pour enlever ton grand frère de là? S'il réussissait, toi tu vas mourir. Fais un effort pour les sortir de là. Nous nous sommes associés avec elle. On a même pris les enfants. Et nous sommes allés, on était descendus dans les bureaux, il y avait ces dossiers, on a pris seulement ces dossiers, on avait brûlé ça. Le lendemain, avant de commencer le travail, il a arrêté. Tu es qui? Est-ce qu'on te connaît ici? Il était tombé, il pleurait. Et même les amis ont été troublés, ils l'ont même oublié. Ça, c'est la puissance de la sorcellerie noire. Et il était redevenu tailleur dans un marché en train de faire n'importe quoi. Même sa femme était devenue malade. Dans la sorcellerie, c'était une fête parce qu'on était sur le dossier. Il pouvait aller avec ses amis dans un boulot, lui devait toujours bloquer parce qu'il avait un masque de vieillesse. Avec ce masque, on est en train d'empêcher l'étoile de briller. Si tu as un frère qui a déjà étudié, tu dois commencer à prier pour lui afin que Dieu puisse l'aider. Et toi aussi qui as déjà beaucoup étudié, ne sois pas orgueilleux à cause des études, tu dois espérer en Jésus. Alors si tu mets seulement tes études en avant en disant que moi je suis ceci, le sorcier ne craint pas tes études. Si le sorcier craint quelque chose, c'est Jésus. Tu verras quelqu'un qui n'a pas étudié. Il est ton chef au travail. Tu ne dois pas le combattre parce que c'est le mystère de Dieu. Aujourd'hui, depuis que j'ai cru, toute ma famille est dans la joie. Dans ma famille, je m'étais confessé devant tout le monde en disant, si toi tu n'as pas eu ça, c'était à cause de moi. Si toi tu n'as pas eu des mariages, c'était à cause de moi. Je les avais amenés chez mon pasteur, il a prié pour eux, ils sont tous délivrés. Tout le monde a quelque chose qu'il est en train de faire. Si moi je ne travaille pas parce que je m'étais dit que j'ai beaucoup travaillé avec diable, maintenant je vais travailler avec Dieu. Chaque samedi, nous faisons une prière en famille. Et nous voyons comment est-ce que nous évoluons. Et ma mère se pose toujours des questions. Pourquoi il y a des querelles entre moi et ma tante? Et pourtant, on est très des amis. C'est vraiment difficile. Moi, je suis du côté de la lumière. Lui, il est du côté des ténèbres. C'est comme ça que nous sommes des ennemis.
Un jour, le diable était venu me visiter. Heureusement, il était avec le pasteur. Heureusement, j'étais chez les pasteurs. Pasteur Ndala, le pasteur Ndala, j'étais chez lui pendant 7 ans. C'est lui qui m'avait bloqué chez lui. Si je te laisse, le diable va te récupérer. Il doit être enseigné. C'est le jour où tu auras ta délivrance totale, c'est comme ça que je vais te laisser. Année 99. Dans l'année 99, chez mes parents, ils ont vu une Jeep blanche qui s'était arrêtée. Une fille est venue leur demander où se trouvait Kalumba. Et mes parents croyaient, comme je travaille avec les autorités, il y a quelqu'un qui a envoyé cette femme. Ils ont envoyé une femme est descendue du véhicule en disant qu'elle s'appelait Hélène, elle travaillait avec moi. Sur ma place, il n'y avait personne. Elle a supplié à mes parents de me chercher en leur donnant 2 pagnes, $500 et aussi un sac de riz en leur disant si ils me trouvaient, ils devaient avoir plus que ça. Oh, c'était le démon lui-même qui a pris la chair humaine qui est venue visiter ma famille. L'argent, c'est un grand démon. Alors, l'argent avait amené des désordres. Moi, j'ai dit, c'est Dieu qui m'avait beaucoup aimé. Ils se sont tous rencontrés. Alors, s'il revient, on va encore lui donner de l'argent. Quand on commence à le chercher, il va encore revenir. Qu'on se partage cet argent. Ils se sont partagés l'argent. Et après des jours, je suis rentré. On avait reçu votre secrétaire. On avait reçu votre secrétaire. Déjà, je comprends ça. Demain, on va visiter. Alors c'est comme ça que quand j'étais rentré, ma mère m'a expliqué, il y avait une certaine Hélène qui était venue ici. J'étais étonné, enfin, je n'ai jamais travaillé avec Hélène. C'est là que je me suis dit, qu'est-ce qu'il vous avait, elle vous avait dit? Non, elle m'a dit que on est en train de t'attendre parce que ta place est là encore vide, on attend que toi. Qu'est-ce qu'elle vous avait donné de l'argent et des pagnes? Tes grands frères ont consommé l'argent, il n'y a que les pagnes. J'ai demandé à ma mère d'amener les pagnes dans le mal ou dans la valise où il met ses habits, il n'y avait pas ses pagnes là-bas. Wow. C'était une femme vraiment terrible. Il est au quartier de délivrance. À cette époque, à l'époque de ma délivrance, on était à la montagne avec les pasteurs à Kampoum. C'était à l'époque de la délivrance, je ne connaissais pas les choses de Dieu. J'étais dans un jeûne de 4 jours où je ne buvais pas, je ne mangeais pas. Et le 4e jour, je n'ai pas su supporter. À la montagne, j'étais en train de penser à la nourriture. J'étais en train de penser à Hélène. Mais na sabi na kacheka kwangu mimi njo pale anaanza kufuata na wakwetu.
ni demo mwari kwa matata sana partiri ya kile kitu alinimeze shaka. Me mama shiku nilimwambia kasole mwanamke shikia ni hivi ni hivi ni hivi. Mama bushiku ashikula lake aliko oblige le mango yote amwile valiza ne kabula anauza mango ingine. Biri mupachaka boka mina sana ya mnyari jendula. Bo nani anaiba munyumbo ni galaka we moe. Bakwetu ba mkongo wangu bote basha kolewa kabote anikala kunyumba imo nani anaiba mango. Alors c'est comme ça qu'à la montagne on était en train de me délivrer. J'ai eu trop faim. J'ai commencé à penser à cette dame. C'est comme ça que je l'avais vue. Elle m'avait amené sur un plat une pomme et la viande que j'ai mangée. Les intercesseurs ont constaté que j'étais en train de manger quelque chose. Ils m'ont posé la question. J'ai dit, effectivement, j'étais en train de manger parce que j'ai eu trop faim. Madame Hélène est venue m'apporter quelque chose à manger. Les pasteurs étaient fâchés et mais d'autres intercesseurs avaient fui. Alors c'est comme ça qu'il était dans l'obligation de commencer avec moi depuis le début. C'est vraiment une femme terrible. Au moment où il y avait encore des liens entre moi et elle, à cause des yeux que j'avais, qui n'étaient pas encore troués. C'est comme ça qu'au moment où on a troué ses yeux là-bas, il était en train de compliquer les gens de ma famille. Mena ule dada ule karo anakuwa kuniona nasema ntuka mi kama ni baba mintaua ata mamangu tamu. Karo était venu me voir me disant même mon père même ma mère je peux tuer. Miri toka kanenda kumufuatu le rafiki yangu meselabe. J'étais allé suivre mon ami qui était abbé. Mina sumburia na ile problème. J'ai causé avec lui. Ashikuni kataria ki anatosha bag serpent. Joshiku miri onaka ile bag. Il m'avait donné une bague serpent. C'était la première fois de voir cette bague.